bonjour, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Un week-end pas comme les autres. Car c'est un week-end où nous allons fêter toutes les mamans. Et fêter les mamans sans inviter les enfants, c'était pas possible, les enfants. Donc d'accueillir toutes les mamans, tous les enfants, mais également les grands-mamans, car les mamans, les grands-mamans ont été des mamans avant toute chose. Je vous souhaite bonne fête, mesdames, bonne fête, maman. Et bienvenue pour une demi-heure de bonne humeur, pour Attention à la première marche. La première question, vous le savez, les enfants, vous prenez bien sûr les télécommandes. Les mamans, vous prenez les télécommandes. Vous connaissez Skippy le kangourou, les enfants? Oui. Si, si, ça fait comme ça. Skippy. 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 Notre ami, le kangourou. Alors, franchement, la première question qui est une question de sélection. Combien de jours, en moyenne, demeure le bébé kangourou dans la poche de sa maman? Les enfants, vous allez bien sûr, avec votre maman, partir sur la première marche. Alors, je me retourne vers l'ordinateur. Qui me dit? Armel Le Charbeau. Armel, vous êtes où? Oh. Bonjour Armel. Vous allez bien? Combien, à votre avis, le bébé kangourou reste-t-il dans la poche de sa maman? Je sais pas, j'ai dit 255. Eh bien, écoutez Armel, comment tu t'appelles? Timothée Charbeau. Timothée, c'est ta maman? Oui. C'est ta maman. Eh bien, vous allez descendre tous les deux car vous êtes les plus proches. C'était 235 jours. Armel et Timothée sont les premiers sélectionnés. Bravo. Regardez, 235 jours. Bravo à tous les deux. La maman et le fiston. Tout de suite, deuxième question, bien sûr, pour un deuxième enfant sélectionné et une deuxième maman. La question nous dit, depuis combien d'années existe le plus vieux parc d'attractions encore en activité? Depuis combien d'années existe le plus vieux parc d'attractions? C'est la question que nous nous posons. Il y a plein de parcs d'attractions de partout. Et ça réfléchit, ça papote. Guillaume Piémont. Guillaume? C'est toi, Guillaume? Quel âge t'as, Guillaume? 9 ans et demi. 9 ans et demi. T'as dit quel âge, Guillaume? T'as dit combien de temps, Guillaume? 390. 390. Et le plus vieux parc d'attraction, 418 ans. Tu es le plus proche avec ma maman. Super. Bravo à toi, tu es avec ta maman, bien sûr, Guillaume. Et sans plus attendre, bien écoutez, pour la prochaine question, on va parler de cadeaux pendant toute l'émission et des perles et des colliers. Les perles, les bijoux, en parlant, attention, de perles, de bijoux et de colliers. Quelle est la longueur en mètres du plus grand collier de coquillettes du monde? Question de sélection, bien sûr, pour vous. Donc, vous votez, les enfants. Vous pouvez, bien sûr, sélectionner vos mamans. Le plus rapide et le plus proche, c'est une fille. Julie, tu as dit combien? 950. 950. En mètres, le plus long collier de coquillettes du monde mesure 1007 mètres. Tu es la plus proche et donc tu seras sélectionnée. C'est ta maman? Mamie. C'est mamie. Ah ben, mamie, vous ne les faites pas du tout. Eh bien, des mamans, des grands-mamans, vas-y, troisième sélectionnée avec grand-maman, avec mamie. Excellent. Mamie et Julie, troisième sélectionnée, nous allons bien sûr passer, attention les enfants, ce sera pour l'heure la dernière sélection de cette émission. Tous à vos télécommandes pour répondre à cette question. Quel est, en francs, le coût moyen par mois et par enfant de la cantine scolaire? Très facile comme question. Quel est, en francs, le coût moyen par mois et par enfant de la cantine scolaire? Est-ce qu'il y a une Coralie parmi nous? Vous êtes Coralie? Vous êtes venue avec qui, Coralie? Avec ma mamie. Avec ma mamie? Oui.
Ma mamie, vous vous appelez comment? Janine. Janine? Oui. Tu as dit combien, Coralie? 300. 300 francs par mois? Oui. En moyenne. La cantine coûte 320 francs. Tu es là pour lui proche avec mamie! Mais c'est super, excellent! Bon, mamie, vous pouvez laisser la télécommande. Elle ne vous servira pas là-bas. Comme ça, tout va très bien. Oh, mamie et Coralie. Eh bien, finalement, si nous faisons nos petits comptes, il y a deux garçons contre deux filles. Ça va être super. Dans un instant, bienvenue aux enfants, aux mamans et aux grands-mamans pour la deuxième marche. On va présenter les enfants, les mamans et les grands-mamans. Coralie. Oui. Tu viens d'où? Prémec. Et comment s'appelle mamie alors? Janine. Coralie et Janine de Prémec, c'est dans? Lille. C'est dans Lille. C'est dans Lille de Prémec. C'est bien Lille? Oui. Je vous présente vos deux potes, toutes les deux. Heureuse Coralie et sa grand-mère, vous aurez les 12 potes. Julie donc, c'est également mamie? Oui. Qui s'appelle? Monique. Monique, mamie Monique. Et vous venez de? Val-d'Oise-Saint-Prix. Val-d'Oise-Saint-Prix. Voici vos super potes. Dis-moi, Guillaume, est-ce que c'est toi qui as sélectionné maman et toi-même? Oui. Et ça va? Ouais. Ouais? Oui. Heureux d'être là? Bon, oui. Tu habites où? À Chissé, en Touraine. La Touraine, eh bien, je te présente tes deux potes. Ce sont les Roller Potes. Et tu es donc venu avec ta maman, Delphine. Oui. Timothée, t'habites où? À Reims. À Reims. Et t'es venu avec? Maman. Eh bien, bah, évidemment. Mais attends, évidemment. Et elle s'appelle? Armel. Et vous êtes accompagnés de deux Zizi Potes. Les voici. Je vous souhaite bien sûr bonne chance à vous quatre les enfants et à vous également pour cette fête des mamans et grands-mamans, bien sûr. Cela va de soi pour cette première question qui nous dit, sur 100 enfants de 8 à 10 ans, combien font du sport au moins deux fois par semaine? Et les mamans et les grands-mamans aident leurs enfants. Janine, combien vous avez marqué? J'en sais rien. Combien vous avez marqué sur 100 enfants de 8 à 10 ans? Combien font du sport au moins deux fois par semaine? 75. Vous avez marqué 75 enfants, donc, font du sport deux fois par semaine. Ça vous semble bien, tous les deux? Oui. Oui, tu fais beaucoup de sport, toi, Coralie? Non. Non. Du tout? Non. Rien du tout? Non. Bon, d'accord. Julie, à ton avis? 75 aussi. Ah, aussi? D'accord. Tu fais du sport? Oui. Quel genre? La gym. T'avais l'air perdu la personne. La gym, t'en fais beaucoup? Non, avec l'école. Avec l'école, bien. Dis-moi, Guillaume, t'as marqué combien, toi? 50. 50 enfants. Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi? Du foot, du triathlon. Du foot? Ouais. Et triathlon. Et du triathlon, dit maman. Bien. Alors, à ton avis, Timothée? 65. 65, ça vous paraît bien, Armel? Bon, oui, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi, Timothée? Du foot. Et avec de l'école, je fais de la course. Avec de l'école, tu fais de la course? L'école, avec la... je fais de la course. Tu fais de la course? Et est-ce que tu cours vite? Non. Je suis pas bon en course de vitesse. T'es pas bon en course de vitesse. Eh bien, nous allons voir, bien sûr, la réponse. Sur 100 enfants, combien font du sport deux fois par semaine? 67, pas mal! Excellent, bravo! Les bonnes réponses, 75, 75, 65. En revanche, Guillaume... Et maman, vous êtes les plus loin, donc vous allez perdre un roller pote. Un petit pote. Bon, mais t'inquiète pas, il en reste un quand même, Guillaume. Ça va bien se passer. Tu as des animaux à la maison, Timothée? Non. Non, t'en veux pas? Je connais pas. Si. Si, j'en voudrais bien. Qu'est-ce que tu voudrais? Un chien. Un chien. Maman, un chien? Non, pas vraiment. Non, je peux pas avoir d'animal. D'animaux. Ah, d'animaux. Ben, ça dépend. Non, il a raison. Si on n'a pas, c'est animal. On a des poissons rouges, quand même. Ah, bah vous avez des poissons rouges, voilà. Tout de même. Guillaume, t'as des animaux à la maison? Une tortue et deux poissons rouges. Une tortue, deux poissons rouges. Julie? Un chien, un chat et deux poissons rouges. Pas mal, ça augmente à chaque fois. Il me tarde de savoir, Coralie, qu'est-ce que tu as comme animal? Je n'en ai pas. Pas de football, pas de sport, pas d'animal.
C'est bien. La deuxième question nous parle des animaux. Combien de dents possède une taupe à la naissance? C'est la question que je vous pose. Une taupe à la naissance. Pour la fête des mamans, on a décidé de les inviter avec leurs enfants. Que nous dit Julie de Saint-Prix? 6. 6 dents? Oui. Ça vous semble comment, Monique? Ça vous semble bien? Bon, j'ai aucune idée. Vous avez aucune idée? Taupe à la naissance. Bon, on va voir tout ça. Guillaume, qu'est-ce que tu as marqué avec maman? 5. 5 dents. 3 en haut, 2 en bas, peut-être. On ne sait pas. Timothée, qu'est-ce que tu as marqué? 9. Et Timothée parle toujours dans le micro comme ça. 9 dents, bien. Coralie? 2. 2 dents. Combien de dents possède une taupe à la naissance? C'est la question. Nous y répondons par 44 dents. C'est énorme. Ce sont des réponses, somme toute, assez étonnantes. Coralie, je suis désolé, tu vas perdre un petit pote, puisque avec les deux, malheureusement, un pote à le blues. Mais je te rassure, il t'en reste un. Guillaume, il faut que je te pose une question. Est-ce que tu as des frères et est-ce que tu as des sœurs? Une sœur. Une sœur qui s'appelle? Mélanie. Mélanie. Justement, en parlant d'enfants, la question nous dit quel est le plus grand nombre d'enfants mis au monde par une seule femme? Quel est le plus grand nombre d'enfants mis au monde par une seule femme? Guillaume, qu'est-ce que tu as marqué le plus grand nombre d'enfants mis au monde par une seule femme? 70. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? On l'a lu dans le quid. Ah, vous l'avez lu quelque part? Voilà. 70 enfants. Eh, hey, vous voyez, elle révise avant de venir, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as marqué, Timothée? 32 enfants. Dis donc, ça fait beaucoup quand même, 32 enfants. Oui. Ça ferait 31 frères et sœurs, tu crois? Non. Ça ferait ça. Ben si, ça ferait ça, normalement. Si. Ben si. Coralie, qu'est-ce que tu as marqué? 25. 25 par une seule femme, ça te semble bien? Je sais pas. On va voir. Julie? 30. 30. Il faut dire quand même que Guillaume et Delphine l'ont lu quelque part. Une seule femme a mis au monde 69 enfants. Vous n'étiez pas loin de la réponse. Bravo, excellent Delphine, Guillaume. Bravo, Guillaume, c'est super sympa. Et Janine et Coralie. Je rappelle qu'en verlan, Janine, ça fait ninja. Et vous allez faire super ninja, car malheureusement, vous avez un blues qui s'en va. Mais nous t'offrons, Coralie, un joli cadeau. Regardons. Micro-chaîne, maxi-son, dernier cri pour la maison. Pour toi, Coralie, tuner cassette CD. Ils sont offerts par le magasin But. Merci à vous, vraiment. Et merci. C'était super sympa. On les applaudit fort tout de même, quand même. Elles sont venues de Lille et nous allons continuer de garçon, une fille. Reste bien sûr en lice pour accéder à la troisième marche. La question suivante nous dit, par exemple, Timothée, où est-ce que tu pars en vacances généralement l'été, Timothée? Bah, dans le sud. Bah attends, évidemment, vers où dans le sud? La Méditerranée. La Méditerranée, d'accord. Et c'est où en Méditerranée, par exemple? T'as été où l'année dernière? Où, par exemple? Je connais pas la région. Je connais pas la région. Oui, mais quelle région? C'était par exemple la Méditerranée? Ouais. C'est pas une région. C'est pas une région. Bon. Donc, vous avez été où, Armel? On était à Grasse l'année dernière. À Grasse, c'est très mignon. Julie, qu'est-ce que tu fais pour l'été? Je pars en Bretagne. En Bretagne, bien. Et Guillaume, l'été, tu vas où? À l'île de Ré. À l'île de Ré, c'est très bien. De toute manière, on part à la mer. Question qui nous dit sur 100 enfants français, combien partent? Écoutez. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci
question sur 100 enfants français, combien partent en colonie de vacances d'été? En été, vous réfléchissez. La question s'adresse donc à Timothée dans un premier temps, à ton avis? 35. 35 partent en colonie. T'es déjà allé en colo, non? Oui. Oui, d'accord. T'es allé où en colo? Au sport d'hiver à Combloux. Au sport d'hiver à Combloux. Bien. Tu pars en colonie, Julie? Oui. Oui. Et à ton avis, combien sur 100 enfants? 35. Ah, 35 aussi? Ah non, 45, vous avez marqué. 45, oui. D'accord. 45, oui. Qu'est-ce qui a marqué, Guillaume? 40. 40. Ah, ça se tient dans un mouchoir de poche, hein. T'es déjà parti en colonie, Guillaume? Non. Non. T'aimes pas trop la colonie? Bof, non. Bof, non. Tu préfères partir avec maman et papa? Ouais. Oh, c'est mieux, hein. Alors, eh bien, avant de connaître la réponse, nous allons marquer une petite pause qui s'impose. Si, si. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Avant cette pause, nous parlions bien sûr des enfants puisque nous fêtons les mamans en ce week-end. La question nous disait, sur 100 enfants français, combien partent en colonie de vacances l'été? Judy, donc, avait marqué 45 enfants, Guillaume, 40 enfants et Timothée, 35 enfants. Et la réponse est... 9 partent seulement en colonie de vacances. Judy, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Judy, triste? Eh oui, tu es la plus éloignée, mais il te restait 2 super potes. Il y en a un qui va partir, donc rien de grave pour l'heure. Un super pote s'en va. Judy qui est venue avec sa grand-maman, c'est aussi votre fête en ce week-end. Monique, oui. Bonne fête à vous. Merci. En parlant de fête des mères, en quelle année fut légalisée la fête des mamans? En France, donc, en quelle année fut légalisée la fête des mamans? Alors, Julie et Monique, vous nous avez répondu? 1941. 1941. Oui. Nous validons donc votre réponse. Vous avez l'air sûre de vous, Monique? Oui, parce que je l'ai lu juste avant de venir. Et j'ai la date. Et vous avez la date? Oui, 25 mai. 25 mai 1941. Oui. Nous avons aussi la date. Nous allons voir tout cela. Guillaume, qu'est-ce que tu as marqué? 1920. Tu l'as pas lu? Non. Non, elle n'a pas lu. Timothée, la fête des mères, qu'est-ce qu'elle a dit, maman? 1955. 1955. La fête des mamans fut légalisée en France en 1950. Attendez, ah bah alors, attendez, Monique, nous avons nos sources. Ah oui. Ah oui. Nous, on l'a lu sur le quid. Ah, sur le quid? Ouais. Alors, la loi est passée en France. Je dis bien, la loi est passée. Donc, ils l'ont peut-être acceptée en 1941, mais la loi est passée en 1950. Oh. Et nous avons nos sources. Oui. Attention. Donc, le plus éloigné, eh bien, c'est Guillaume. Guillaume et Delphine. Au revoir. Guillaume, tu étais venu de la Touraine. Il te restait un roller pote. Guillaume, il s'en va, le roller. Mélanie et son papa. On embrasse la petite sœur et son papa. Qu'est-ce que tu voulais dire, Guillaume? Rien. Rien. Guillaume, tu fais une bise à ta maman et tu lui dis bonne fête, maman. Bonne fête. Bonne fête, maman. Alors, on les embrasse quand même très fort parce qu'ils sont tout mignons. Guillaume, tu repars quand même également avec une superbe mini-chaîne. Et c'est quand même pour toi. Et puis, tu pourras écouter, grâce à Attention à la marche, toute la musique que tu aimes avec maman. C'est sympa? Merci. Ouais. On merci. Leur dit au revoir. Salut. Au revoir et merci à vous deux. Merci. Nous retrouvons bien sûr l'excellent Timothée et sa maman Armelle. Nous retrouvons l'excellente Julie et sa grand-maman Monique. Et nous les accueillons pour cette troisième marche. Julie et sa mamie Monique. Timothée et sa maman Armelle. Julie, tu as quel âge? 11 ans et demi.
Et toi, Timothée, tu as quel âge? 9 ans et demi. On t'a mis sur un petit cube, ça va mieux? Oui. Vous aimez les œufs, les enfants? Oui. Ça tombe bien, voici les poules. Les poules. Tu te rappelles, Dru, les poules? Poule, combien de jours la poule couve ses œufs avant la naissance des petits poussins? Julie et Monique, vous vous concertez peut-être, vous avez le droit. Voyons, elles se disent. 24. 24 jours? Oui. Bien. Timothée et Armel se sont consultés. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Moins. Vous pensez moins? Timothée? T'as bien fait, c'est moins. 21 jours, bien sûr, pour la poule qui couve ses œufs. Pour la prochaine question, tout de suite, pour nos téléspectateurs, un indice. La question nous dit, sur son retard en classe primaire, combien sont dus à des manques de sommeil? Sur son retard en classe de primaire, combien sont dus à des manques de sommeil? Armel, vous nous dites? 70. À ton avis, Julie, c'est plus ou c'est moins? Moins. C'est moins? Sur 100 retards en classe primaire, il y en a 60. C'est moins. Bravo, Julie. Et les petits potes trouvent un équilibre. Et nous allons passer à une question qui nous dit que David a beaucoup aidé Bernadette lors de ces pièces de collecte jaune. Justement, à ce propos, quelle était en centimètres la taille de David Douillet à 13 ans? La taille en centimètres de David Douillet à 13 ans. Je dis bien à 13 ans. Monique. 95 centimètres. 95 centimètres. 95 centimètres. D'accord. Nous validons 95 cm. Et on ne souffle pas dans le public. C'est plus. Oui. C'est plus. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout de même, David Douillet mesure 1,96 m à l'heure d'aujourd'hui. Ça va, Julie? Non. Pourquoi ça va pas, Julie? Parce qu'on s'est trompé. Trompété? Vous êtes trompété? Il mesurait 1,85 m. C'est plus. Bravo, Timothée. Bravo, Armel. Comment est-ce qu'il mesure 95 cm? J'ai fini. C'est impossible qu'il mesure 95 cm. Pourquoi ça? Parce que ça ferait tout petit. Bah, évidemment. Combien tu mesures, toi? 1,25 m. Déjà? À 9 ans? Environ. Environ? Oui. Bien. Attention, peut-être la dernière question. Si Timothée et sa maman, pour la fête des mamans, vous répondez bien. Eh bien, c'est vous qui irez sur l'escalier final. La question va parler de voyage. Voyage, voyage. La question nous dit, Armel et Timothée, jusqu'à quel âge un enfant peut voyager gratuitement en avion? Armel? Timothée? 3 ans. Tatin. En cœur, allez-y. 3 ans. Julie, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Plus. Un enfant peut voyager gratuitement jusqu'à l'âge de 2 ans. Timothée et Armel, vous êtes sur la plus haute marche de l'escalier, sur la 4e. Nous allons vous voir tout à l'heure, bien sûr. Je voudrais qu'on fasse une ovation à Julie qui est venue avec sa mamie. Bravo, Julie. Quand même, un joli cadeau pour toi. Non pas un cadeau, mais deux cadeaux en un. Regardons. Un combiné DVD et un magnétoscope avec des sorties optiques coaxiales. À la maison, ça va faire mal. On dit merci à Buc. Bravo. Quand même, c'est sympa.
Et on retrouve bien sûr Timothée et sa maman pour cette fête des mamans pour ce week-end sur la 4e marche. Grâce à Timothée, nous y sommes. Et sa maman, cette fête des mamans, week-end de fête des mères, nous vous offrons déjà 2500 francs pour vous. Ces 2500 francs, bien sûr, vous allez pouvoir les faire fructifier, donc faire des petits sur les marches, puisqu'à chaque marche correspond à une question, d'accord? Si vous y répondez bien, on multiplie vos gains par deux, jusque tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Nous sommes d'accord? D'accord. Est-ce que 2005 par 2, tu sais ce que ça fait? 2005 fois 2? Ouais. Alors. 5000 francs. Mais je dis oui, mais bravo, et bien allons-y ensemble pour 5000 francs sur cette première marche. Timothée, c'est pour 5000 francs. Hein. Oui. Et, attention, hein. Bien. Un jeune peut commencer la conduite accompagnée à quel âge? Soit 16 ou 15. 15 ou 16 ans? C'est ce que j'ai dit. 16 ans, je pense. Hein? Oui, 16 ans. 16 ans. 16 ans. Sûr, Timothée, 16 ans? Oui. Eh bien, je dis oui! Bravo! Il est parti déjà. Attends, ça y est, tu as 5000 francs déjà! Il est déjà sur la main. Attends, et alors, par exemple, 5000 francs multipliés par 2, ça fait combien? 10 000 francs. Mais excellent! Alors, pour l'instant, pour 10 000 francs, question football. C'est toi qui m'as dit qu'il faisait du football tout à l'heure? Oui. En football, l'OM a disputé combien de finales de la Coupe de France? Est-ce 10 finales? Ou est-ce 16 finales? C'est toi qui décides, je sais pas. Je connais qu'une finale Marseille à participer. Ah bon, tu sais pas alors. On va dire combien? 10 ou 16? Du 10? Ouais. Allez, 10. 10 au hasard. Ils en ont gagné 10, mais disputé 16. Bon, on monte sur la suivante. Il a envie, hein, Timothée, allons-y. Non, toujours ces 5000 francs. Une question, tu connais le petit chaperon rouge? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tu l'as lu, le petit chaperon rouge? Oui. Oui. Combien y a-t-il de provisions dans le panier du petit chaperon rouge? Y en a-t-il 2 ou y en a-t-il 4? 4. On dit 4? D'accord, 4. Alors 4. Les provisions, il y avait comme provision... La galette, le pot de beurre, et c'est tout. Moi, j'aurais gagné. Qu'est-ce qu'il y a, Timothée? Bah, bon, je lui avais dit 2. Tu sais que cette histoire... Tu lui avais dit 2 et maman l'a dit 4. Excuse. Bon, on va pouvoir se rattraper parce que... Alors là, un effort surhumain. On va monter sur la dernière marche, la plus haute, tous ensemble. Timothée. Un effort surhumain. 5.5. 25 000 francs. Bravo, nous activons la porte, effectivement. Car peut-être derrière cette porte se cache 25 000 francs. Ça va, Timothée? Oui. Super, hein? Tu sais que nous avons proposé sur chaque question deux possibilités de réponse. Oui. Là, on va en proposer 4. D'accord. D'accord. C'est beaucoup plus difficile. Je pose la question. Ça va pour une fête des mères? C'est une belle fête des mères. Ça va. Ça va jusque-là. T'aimes bien les hamburgers? Non. C'est le seul enfant, mesdames et messieurs, qui n'aime pas les hamburgers. Il est là, sur notre plateau. Tu n'es pas vraiment le seul. Il y a ma sœur. Toi et ta sœur, vous n'aimez pas les hamburgers. Alors, à votre avis, en parlant des hamburgers, en quelle année fut commercialisé le hamburger? Nous avons 4 possibilités. Il y a 25 000 francs à la clé. Hein. Est-ce que c'est derrière cette solution qu'il y a les 25 000 francs en 1904?
où est-ce que le hamburger fut commercialisé en 1924 ou en 1934, où les 25 000 francs sont peut-être derrière cette date-ci qui est de 1954. Je dirais 54. Toi aussi. Bon, qu'est-ce bah, que vous choisissiez? 54. 1954, on est d'accord. Vous êtes d'accord? On est d'accord. On demande quand même l'avis du public pour savoir s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Ouais. Alors, si vous êtes d'accord, eh bien vous appuyez sur le petit 1 de votre télécommande, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le petit 2. Et on va voir ce que nous dit très rapidement notre ordinateur, s'ils sont d'accord avec vous ou pas. L'ordinateur me dit 65% sont d'accord. Vous gardez cette réponse-là? On garde. Vous gardez? On garde. Nous la validons donc. Est-ce que la bonne réponse était derrière 1924? Est-ce qu'il y a les 25 000 francs? Est-ce que la bonne réponse était derrière 1904? Eh oui! Ah! Aïe, aïe, aïe! Pas grave! Non! Ben non, c'est pas grave, Timothée! Fais un gros bisou à maman! Car effectivement, c'était la réponse qui était bonne derrière 1954. Vous avez quand même gagné 5000 francs pour vous! La bonne réponse était bien sûr 1904. Je voudrais qu'on fasse une ovation, bien sûr, à Timothée et à sa maman, qui ont gagné quand même 5000 francs pour la fête des mères. C'est bien, non? Regarde, il y a des fleurs qui arrivent de partout. On va offrir bien sûr un bouquet de fleurs. Regarde, Timothée, tu l'offres à ta maman? Oui. Eh ben tiens, c'est parti. Et on rejoint bien sûr tous nos enfants, toutes nos mamans et nos grands-mamans. Nous souhaitons du fond du cœur une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. Je vous souhaite un bon week-end. Nous sommes là tous les samedis et tous les dimanches sur TF1. Bon appétit à vous et à très bientôt. Au revoir.